Et yo les potos, c'est Coco Tercalco, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5 bannières. Donc voilà, ça faisait très longtemps que la série n'était pas revenue sur la chaîne. Donc voilà, moi j'ai vu qu'en France il n'y en avait plus trop en fait. Donc du coup j'ai décidé de reprendre cette série. N'oublie pas que les top 5 c'est important, donc pour moi genre j'aimais beaucoup ça avant parce que voilà, ça me permettait de connaître d'autres GFX, de regarder leur speed art. Voilà, pour pouvoir m'améliorer, pour l'inspiration des bannières, etc. Pour ceux qui manquent d'idées, ben, ça peut vous donner des idées sans vouloir copier, bien sûr. Du coup, voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à poser un like là maintenant. Là, maintenant, je vous laisse le temps de. Voilà, vous quittez ce petit carré pour voilà, la vidéo et vous posez un petit like là. J'espère qu'on atteindra 200 likes. Allez-y, posez le like tranquillou. Voilà, bref, c'est fait, c'est posé. J'ai confiance en vous. Non, je rigole. Du coup, voilà, j'espère que vous allez, voilà, un petit like et vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et à envoyer vos bannières dans la description. Du coup, bonne vidéo à tous. Bisous. Pour la cinquième bannière, on se retrouve sur une bannière de Flight Graphics. Donc voilà, c'est un petit nouveau. Donc j'ai essayé de favoriser les nouveaux désormais sur les top 5 bannières. Donc si j'ai évité de remettre tout le monde à chaque fois les mêmes. Mais bon, s'il y a les mêmes, c'est pas de ma faute. Mais bon, je vais essayer d'éviter. Du coup, là, on se retrouve sur une bannière de Flight Graphics. Donc une belle bannière, je trouve. Donc il a bien pu gérer les lights du soleil. J'aime beaucoup. Les rendus aussi sont vraiment bien. Genre les positions, etc. Voilà, les render effects. Je trouve peut-être un peu le Photoshop un peu vide. Mais non, franchement. C'est une très bonne bannière avec des lights qui ont été gérés. J'aurais peut-être rajouté un peu plus de flou, que ce soit sur le fond, hein, peut-être un peu sur les personnages, mais sinon bonne bannière, GG continue, crow. Pour la quatrième bannière, une bannière de Art Spirit, donc lui vous le connaissez. Donc voilà, c'est une belle bannière, je trouve, il a bien géré. Surtout les effets je pense que c'est des effets d'eau qu'il y a en fait au-dessus par exemple au-dessus des pigments, etc. J'ai l'impression que c'est l'eau qui... Je sais pas, si c'est cet effet, il a bien géré. Le texte, je l'aime beaucoup, il y en a plein qui ont pu critiquer le texte. Moi, je l'aime bien le texte, je trouve qu'il va très bien avec l'ambiance de la bannière. Voilà, la lave, il a bien géré la light et un beau ciel, donc GG gros. On se retrouve pour la troisième bannière, une bannière de Ecozac, donc une très belle bannière pour DRS. Voilà, c'est un CKD assez beau quand même, genre que ce soit la modélisation ou que ce soit les rendus. Je les trouve bien, mais voilà, le truc que je peux critiquer à la limite, c'est vraiment le Photoshop à droite et à gauche, genre c'est un peu vide, enfin voilà, c'est juste ça, je trouve, c'est dommage. Mais sinon, le texte est vraiment beau, je kiffe le texte et voilà, franchement, belle bannière. On trouve Wooly aussi, un très nouveau, mais qui a su se mettre dans la deuxième position pour moi, donc vraiment, c'est voilà, c'est un choix. J'ai kiffé vraiment sa bannière, donc voilà, que ce soit les rendus, voilà, les rendus très beaux, le texte stylé, des render effects très 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 réussis. Voilà, c'est peut-être le côté droit que je peux critiquer avec le ghast, voilà, j'aime pas trop, mais sinon le côté gauche, le wallpaper, ainsi, la position, voilà, moi j'aime beaucoup. Et une belle CC en plus, donc voilà, bien joué, j'aime bien. Et pour la première bannière, donc vous vous trouvez avec une bannière de Sage, donc voilà, lui vous le connaissez à force, voilà, très très beau, très beau. Je trouve qu'il a changé un peu de style, donc par rapport à avant, il mettait beaucoup de contours lumineux, là j'aime encore plus son style. Des renders de ouf, voilà, des bonnes positions avec des bons effets, même si on retrouve le même effet, ça fait pas trop, donc c'est stylé. Donc voilà, continue Sage, voilà, t'es le sang, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter. En plus il est free. Du coup voilà, j'espère que ce top vous aura plu, excusez-moi j'ai trop l'habitude.
trop de tutos sur ma chaîne. J'espère que ce top vous aura plu, donc n'hésitez pas à vraiment poser un like, 200 likes et à envoyer vos bannières les gars, tout de suite tout le monde envoie leurs bannières. Du coup j'espère voilà, que ça vous aura plu, laissez un like, laissez un petit commentaire, envoyez vos bannières et on se retrouve pour une prochaine vidéo.